elle a dit oui. Karine Viard s'est mariée le 25 juin 2022 à son compagnon Manuel Herrero. Le mariage a eu lieu à Paris et les amoureux ont partagé des photos sur Instagram. L'actrice de la famille Bélier avait opté pour une chic tenue blanche signée de la maison Dior. Sur son compte, Karine Viard n'a pas résisté à l'envie de partager avec ses fans et abonnés des images de ce grand jour. On a pu découvrir que la comédienne de 56 ans avait enfilé une robe blanche lissée tombant jusqu'aux chevilles avec une élégante courte veste également blanche et ouverte. Un look complété par une paire de mules, plusieurs bracelets en or et un traditionnel bouquet de fleurs dans les mains. Un mariage qui a ému Karine Viard, laquelle a pu compter sur l'aide précieuse de proches qui ont fait en sorte de rendre cette cérémonie magique. KV+MH égale @ManuExploHerrero. Merci @Dior@Aliné75@Pierre-Barabadan pour la cérémonie sur mesure, a-t-elle écrit en légende de sa publication. Karine Viard, que l'on peut régulièrement voir au défilé parisien de Dior lors de la Fashion Week, a donc pu compter sur le coup de main d'Aline Dos Santos, Dior RP et Celebrity Team, pour sa tenue de mariée. Même son amoureux l'a remercié pour le chic sur son compte Instagram. Quant à la partie officielle de son union avec Manuel Herrero, si est-il donc auprès de l'ancien rugbyman Pierre Rabadan qu'elle se jouait. Celui-ci est devenu adjoint à la maire de Paris en charge du sport, des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et de la Seine. Une union à la mairie en petit comité mais en présence des filles de l'actrice, Marguerite et Simone.